Hello, hello, très chers lecteurs, lectrices. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le dernier chapitre de la Bibilette. Là, ça va envoyer du lourd. Le wattage sera assuré. Ça sera magnifique. Pas regarder mon show. Les camarades. Alors, on bave, hein? On n'a pas les mêmes, hein? Ah, bah ouais, tu m'étonnes. Ninja, casserole? Non, casserole. Ah ouais, hein? Sans trop esprit du pop, c'est quoi tout ça, là? Qu'est-ce qui m'a mis, là? C'est quoi ce moteur? C'est quoi ça ici là? Il y a un relais, c'est quoi ce truc? Cinglé, qu'est-ce que tu me fous là? Qu'est-ce qui me fout le cinglé là? Oh là 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 là. MBK, qu'est-ce que ça dit MBK? Putain, c'est quoi ce moteur? En vrai, il y a une protection là. C'est un peu la guerre. Du variateur contre l'embrèche centrifuge de Moffacup. Un Suisse. Là, il y a du freinage là. Regarde-moi ça le freinage là. Si tu freines pas avec ça, moi je peux rien pour toi. Hein. Oh là là, le virage. Vas-y, prends-le bien le virage, enfoiré. Freinage. Freinage du Suzuki. Putain, je vois rien du tout, je deviens aveugle. 450 RMSZ. Ils sont cinglés, leur pétoir là. Qu'est-ce qui m'a fait ce montage de ouf là? Cinglé. Sans droit. Ispi. Ah, truc de lumière, saloperie là. Après, il me défonce les yeux ce bâtard. MBK, MBK 51 groupe. Ta gueule, quel nom de merde, tu m'énerves. Là, moteur, un motard, un moteur. Ah, le silence fut. Merci, mon Dieu. Je vous bénis. Merci. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'a mis là? Moteur. Qu'est-ce qui nous a foutu dans ce moteur? Pour sur la page moteur, moteurs. Peugeot 103 Golf. Oh, elle est bien là, elle est bio, hein, camarade. Moteur 49.9. Ouais, je suis bio. MBK 51 G1. Refroidi par R. 49.9. Mais cool, ouais, mytho, ouais, fumier. Culasse Bidalo, carter d'origine préparée. Boîte à clapet, mais du T6 bordel, putain de merde là, mais du T6 putain, garde-moi ça là, Peugeot, papa, mono de temps refroidi par air, 69 cc, putain, ça doit envoyer du steak, bordel de chiottes là, usinique de 6 mm. Quel d'en bas de... Oh là là, piston mal aussi. 47-55. Cylindre derby variant. Bande de cinglés. Fait chez ce soleil, là, me défoncer les yeux, ce bâtard. Sous ce soleil californien, ouais. Je vais devenir aveugle avec ton soleil de merde, là. Moi, je veux, quand je travaille, je veux qu'il n'y ait pas de soleil. Parce que là, c'est du temps perdu déjà.
Travailler, c'est du temps perdu, hein. Vous le savez, ça? Et personne qui le sait, on dirait. Bande d'esclaves, enfoiré de merde. Oh, Solex. Solex 5000 et en avant les couleurs. Oh, j'aime bien les Colors. J'aime bien les Colors. Putain, les yeux, ils me font défoncer. Waouh, c'est beau. Le Solex 5000. Pour ton plaisir, la Jenny, elle est heureuse. Elle roule en Solex 5000. De belles petites machines. Plus simplement qu'un vélo, un geste suffit pour accélérer, ralentir, s'arrêter. C'est magnifique. Un Solex. C'est beau, ça. Papa, officiel préparé. Non, je sais pas. Classique, c'est un 5000 néerlandais. Oh là 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 là. Bon, je sais pas trop pour mi, je suis allé Solex. Gump up. L'experte de l'aérogommage. Wow! Ça, c'est beau. Il faut arrêter de tout jeter comme des Kleenex. Compris? On ne jette pas les bibilettes à la déchetterie des bouffons. On en voit plein en ce moment. Ah, moi, j'en vois pas, mais j'ai entendu parler. Bande d'enfoirés, soleil de merde, là. Qu'est-ce qui me fait chier, ce soleil de merde, là? Voilà, putain de merde. Quel pète-couille, ce soleil. Il me défonce les oeils. Les prix, c'est pas cher, hein. Ah, regarde, camarade. Ou te poncer comme un kéké, là, pendant 2 heures. Ah, pendant 10 heures, plutôt. Ah, le bouffon de la vie. Ah, le bouffon de la street. Ça, c'est beau, le sablage, hein. Quand t'as l'outil pour travailler, le plaisir est partagé quand même, hein. Regarde-moi ça, oh là là, avant, après, après. Oh, que c'est magique. Regarde les jantes. Pop, pop, pop. Sablage. Magnifique. Magnifique, magnifique. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Aie pitié de moi. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Amen. Une réparation sous haute tension. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Mob et travaux. Le bon savoir, bon les savoirs. Maintenant, un bougie trop chaud risque d'atteindre la température de fusion de l'électrode de masse en fondant. Oh là là, c'est beaucoup technique tout ça. C'est de la technicité. C'est très important la technique. C'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Un circulas? C'est quoi que ces conneries? Qu'est-ce qu'ils me font? Oh, c'est un tuto! Oh, le tuto, il est beau le tuto, hein? Moi, j'aime bien les tutos. Alors, du 28 au 30 juillet, hein, dans 58, la Roca Bibilette, hein, si quelqu'un veut aller. 58. Dans le 02. Rassemblement international. Motobécane. 10, 11 juin, c'est quand ça? On est le combien là, bon enfoiré? Putain de merde, on est le combien là? 8. Ah! Ça peut être interesting. On verra bien. 4 juin. Oh non, c'est déjà passé! Bienvenue chez les ch'tis, cup. Mais aussi, mis ta merde, enfoiré. J'ai même pas vu ça, les ch'tis cubes. Putain, bande d'enfoiré, personne qui me dit rien. En Corse, ceux qui veulent en Corse. Putain, soleil me défonce les yeux, ce bâtard, il m'énerve. Dans le 45, passion mob à Orléans. Rallye des bibilettes. 17 juin 71. Faites-vous plaisir. Le tour de Corse déjanté en mobilette. Oh, ça doit être de la balle, ça. Pa, pa, pa. Ça doit être magnifique, ça, le tour de Corse en mobilette. Pa, pa, pa. Il y en a qui vont se faire plaisir, les enfoirés, là.
Popopo! 27 octobre, Marocco. Ah, ça te bougie dans le désert. Popopo! En 88, moi je vis direct. 88, 89, oh là je bombarde. Tenez, faites un copie d'écran et amusez-vous bien là. Il y a du levels. Il y a du levels. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, du levels. Il y a du rasso bibilette. Faites-vous plaisir. Faites des copies d'écran. Partagez. Partagez. Partagez bien. 22, 22, transfert. Ouais, il a pour tout le monde, il a pour tout le monde. Faites-vous plaisir, cherchez votre département et allez faire mumuse avec la bibilette. Que la bibilette soit avec nous et avec notre esprit. Ça, c'est quoi ça? Coupe de Noto Légende. 27, 28 mai. Oh, c'est déjà passé, avril, mai, juin, mai, juin. Ah ouais, c'est passé. On s'en bat les couilles, allez, on passe. Peugeot XP. C'est quel modèle que j'ai eu, moi? On dirait que c'est celle-là. Elle avait rien dans le fion, la saloperie. J'ai jamais rien compris. Embrayage de merde, là. Jamais rien compris, cette merde. Ou c'est ce modèle-là? Non, je sais plus. Elle ressemble à celle-là. Elle avait rien dans le fion, cette saloperie, là. Je sais même plus qu'est-ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas terrible, je suis à XP. C'est vraiment, on peut dire, dégueulasse. Ah, ils aiment bien. Hein. XP Hollywood. Ça, c'est pour Daddy, ça. XP Hollywood. Très rare, 1200 balles. 1200 balles. XPS, XP7. Oh, dégueulasse, j'ai horreur de ça. Allez, dégage. Le rallye des gazelles. Vu sur Instagram. Hashtag live papod, mon pote. Life Mopeds. Hashtag Mob Bimatic. Hashtag Fredo Montarlo, Montarlolo. Wall Biker là, ça c'était pas la classe. À Las Vegas. Hashtag Peugeot 103 HP. Sortie de grange, certes, il y a eu du boulot en perspective, mais ça vaut la peine de la sauver. Mais tu m'étonnes, enfoiré! Mais. T'as intérêt à la sauver, Boubours. Un petit disclaimer. Nous, on est prête. On est prête. C'est quand vous voulez. Ok, juste le temps de mettre un peu d'essence, de vérifier les trois trucs. Et on est parti. 30 minutes plus tard. Je vais quand même regarder les freins au cas où. T'y veux? Tu veux, Vincent? J'ai bien fait de nettoyer le garbure. Il y avait encore plein de dépôts. C'est bon pour nous, on peut y aller. D'ailleurs, il faudrait se dépêcher un peu. Il commence à faire nuit. Ok, juste à déposer quelques lettres, de vérifier deux, trois mots et on est parti. Ah tiens, j'ai fatigant. En 9 lettres. Elle est bonne celle-là. C'était rigolo. Merci beaucoup. Tiens, un peu de pub. 50 Factory. Dans ta face! Assurez-vous, assurez-vous, Hervé Calvelel, assureur, assureur depuis 1967. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse journée. Hold the Lord, Macron, bye bye Macron, bye bye les Guabeufs.